m'appelle Boda Constantin, je suis centrafricain, étudiant au CESAC, Centre d'études supérieures africaines. Alors, je viens de finir mon master, c'est ma troisième année à Dakar, un master en audit et contrôle de gestion. Et aujourd'hui, c'est présentement un congrès qui a lieu, une assemblée générale qui clôt une activité d'une année d'un bureau de l'UECAS, c'est-à-dire l'association des étudiants centrafricains à Dakar. Et aujourd'hui, l'association doit présenter son bilan aux étudiants centrafricains et ce bilan doit être validé par toute l'assemblée qui est présente. Les centrafricains se sont mobilisés pour essayer de montrer leur envie de participer aux activités culturelles et associatives. Vous savez, c'est pas facile à l'étranger de vivre ce, et donc c'est mieux de se regrouper. Comme on dit le plus souvent, l'union fait la force. Et donc les Centrafricains se sont mobilisés aujourd'hui pour essayer de montrer leur envie de participer à cette vie associative et surtout de se mobiliser pour d'autres projets afin de permettre à notre pays de coordonner ses actions envers nous les étudiants, puisqu'il y a souvent un problème de coordination entre les étudiants et le gouvernement centrafricain. Et donc cette association permet à tout étudiant centrafricain de se faire représenter ici à Dakar dans certaines activités. Et donc aujourd'hui mon message c'est de dire à tous les centrafricains qui sont à Dakar et qui ne sont pas encore intéressés par cette vie associative de s'y intéresser, parce que c'est très important. Et aussi pour l'État centrafricain de penser aux étudiants centrafricains qui sont à Dakar, puisque la vie, le plus souvent, la vie étudiante n'est pas facile. Et donc, on a souvent besoin d'aide de notre pays. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour contribuer au développement de notre pays. Et donc, aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Et l'État aussi doit nous assister dans certaines choses. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui et c'est vraiment un message de mobilisation centrafricaine pour le développement de notre pays. S'il vous plaît, rappelez-moi votre nom. C'est M. Boda Constantin. M. Boda Constantin, est-ce que aimeriez-vous vous présenter aujourd'hui comme étant le futur président de l'UECAS? J'y ai pensé, mais c'est par rapport à mon séjour à Dakar, vous savez. J'avais dit tout à l'heure que je viens de finir mon master en audit et contrôle de gestion. Et comme vous savez, tous nous avons un objectif, c'est de rentrer au pays et de chercher à mettre à la disposition de notre pays les connaissances que nous avons acquises ici. Donc, c'est pas trop évident que je vous postule pour cette année. Et donc, c'est pas facile. Merci. Je vous en prie.